C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Pierre, Patrick et Mohamed qui réalise ce soir son premier point cuisson de 20h aux côtés de Nicolas Bottero, notre chef ce soir du restaurant Le Ma Bottero, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Ouais, quelle fierté de vous remplacer Babette ce soir. Chef, ce soir un plat de fête pour nos mousquetaires, c'est les Saint-Jacques. C'est des Saint-Jacques en carpaccio avec du radis, des agrumes. Et vous allez mettre, Mohamed, la dernière touche finale, une râpée de citron vert dessus pour amener de la fraîcheur. Donc je vais essayer de m'y prendre comme Babette, hein, et essayer de faire hop. Formidable. Là, c'est pas mal. C'est super. Et on tape, hein, vous et on tapote un peu dessus, comme ça. Pas trop non plus. Pas trop non plus. Celui de Vincent Cassel, il sera où? Selfie. Ah, ok, on va... Oh là là là. Et Patrick? On n'en met pas, alors, Patrick. c'est pas mal, des belles Saint-Jacques. Voilà. Merci, chef. Merci à vous. Merci à tous les deux, à tout à l'heure. On ne change pas une équipe qui gagne. Après le triomphe critique et public du premier volet de la nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires, on retrouve avec un immense plaisir le jeune et fougueux D'Artagnan, prêt à tous les risques pour sauver sa dulcinée Constance de Bonacieux, épaulé par Athos, Porthos et Aramis. Il devra affronter la mystérieuse et redoutable Milady de Winter, tour à tour enjôleuse, amoureuse et traîtresse. Le tout alors que le royaume est divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre. Que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux. Où est-elle? Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle? Vous me paierez cette offense. Il me dira où elle est ou je jure de le tuer. Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Que chaque hérétique du royaume sache ce qui en coûte de défier le roi. Mousquetaires, vous êtes soldats pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. Et c'est lui le traître. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. Un seul geste et je vous tue. Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance. Deux heures d'aventure et de souffle romanesque. Les Trois Mousquetaires, Milady, le deuxième volet de l'adaptation signée Martin Bourboulon, sort en salle après-demain. Eva Green, François Civil et Vincent Cassel, ils sont tous les trois remarquables et sont ce soir sur le plateau de C'est à vous. Ouais. Bonsoir Vincent. Bonsoir Eva. Bienvenue. Salut Vincent. Bonsoir. Bonsoir François. Bonsoir Eva. Bonjour tout le monde. De loin comme ça. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Ravi d'évoquer enfin, parce qu'on l'attendait, hein, la suite des aventures des Trois Mousquetaires, qu'ils en auront quatre officiellement. Un épisode qui est très intéressant parce qu'on explore plus profondément les personnalités, les motivations, les failles et les blessures de chacun de vos personnages. Un souffle romanesque, je le disais, une aventure historique incroyablement reconstituée avec notamment le siège de La Rochelle, comme on l'avait jamais vu au cinéma, Patrick. Oui, parmi les qualités du film, on avait été impressionné dans le premier volet par ces duels, ces batailles en plan séquence qu'on retrouve évidemment dans le deuxième volet. Et cette fois-ci, on est époustouflé par ces scènes maritimes ou côtières avec comme point d'orgue, évidemment, ce siège de La Rochelle qui était un centre névralgique pour les protestants. Et c'est du grand spectacle qui n'a rien à envier aux grandes productions hollywoodiennes. C'est comme ça que vous l'avez vécu en voyant le film ou le résultat, François, Vincent, Eva? C'est vrai que je me lance. Allez, c'est parti.
C'est vrai qu'il y a une sorte de film dans le film à ce moment-là, sur l'attaque de La Rochelle. Pendant, je crois, 10 minutes, un quart d'heure, on est vraiment en immersion avec les mousquetaires qui s'infiltrent d'abord. Et puis, il y a une grande scène de combat sans divulguer trop de choses. Mais moi, j'ai le souvenir du tournage, surtout, où c'était, je crois, 2 semaines à Saint-Malo, 2 nuits. Tout ça très fatigant. On a littéralement fait exploser la mairie de Saint-Malo. Donc, merci aux Malouins. Non, c'était un grand moment à vivre, évidemment. Et je trouve que dans le film... c'est puissant. Ouais. Assez puissant, ça reste. Rien n'a envoyé aux grosses productions hollywoodiennes dont vous êtes tous les deux, Vincent et Eva, des habitués, on peut le dire comme ça. Tout ce qui est en anglais n'est pas hollywoodien. Hein. Bon, pardon. Ouais. Des grosses productions, alors. Oui, ça m'est arrivé un petit peu. Mais c'est pas. C'est vrai que souvent, les gens, quand ils voient ce film, on pense à des films hollywoodiens, mais en fait, c'est vraiment un film très français, en fait, quand on pense bien. Mais qui a de la gueule, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, il y a un peu d'ambition au niveau budget, et il y avait cette envie de Dimitri Rassam de faire un film à grand spectacle. Et je pense que Pathé a vraiment envie d'essayer de ramener les gens dans les salles, de proposer un spectacle qu'on n'a pas envie de regarder chez soi à la télé, forcément. Et pour lequel on se déplacerait dans les salles. Oui, et puis il y a ce côté un peu fiévreux dans l'action. Il y a tous ces plans séquences comme ça où on vit l'action de l'intérieur. Donc c'est peut-être pour ça qu'on peut dire qu'on est un petit peu à l'américaine. Exactement. Oh, on ne va pas s'en priver, ça nous fait plaisir de ressembler un peu aux Américains. Et puis évidemment, il y a la puissance des romans d'Alexandre Dumas connus dans le monde entier. Et ça, vous confirmez, Vincent. Au Brésil, on vous parle d'Alexandre Dumas. En fait, on parle de Les Mousquetaires, je crois que ça fait partie un peu de l'inconscient collectif de tout le monde. Tout le monde ne l'a pas lu, évidemment, mais en fait, il y a des digressions des Mousquetaires dans tout. Je me rappelle, quand j'étais enfant, je regardais Bugs Bunny, il y avait Les Mousquetaires à un moment donné. Oui, c'est un truc on utilise l'image des Mousquetaires un peu à droite à gauche. Et Tom et Jerry aussi. Oui, absolument. Ah, ouais voilà, Donc en fait, ça fait partie de l'inconscient collectif dans le monde entier, je crois. Je crois que c'est pour ça aussi que le film fonctionne tellement bien en France, certes. Mais aussi, je sais qu'on est, excusez-moi de le dire, mais numéro 1 en Amérique du Sud sur Netflix, parce que je crois que, en fait, la marque des Mousquetaires, c'est mondial. À nouveau, les fleurets cinglent, les chevaux galopent et des rôles très, très physiques pour vous trois. Quelques images du making-of. Et 3, 2, 1, action. C'est impossible. Hop, ça part. Et moi, là, je peux aider, accompagner, tu vois, il n'y a aucun problème. C'est moi qui fais la chute, mais il faut que j'ai au moins le passage. Ah ! Où est la lettre ? Je n'ai plus, je vous ai dit. Il faut vraiment que je dégage l'oreille. Ah, ça se comprend. Ça marche. Je comprends ça. Ah, ça marche. Je l'ai dégagé. Tu lui dégages l'oreille déjà. Non, en plus, c'est ça. Ah ouais. Bam. Ping-pong. Comment ça se passe pas. Voilà. J'étais assez chaud physiquement et jour 1, claquage. Ça, c'est qui ? C'est François. J'ai dû le dire, ça. Mais sur ce film-là ? Ah oui ? C'est vrai ? Je me souviens, sur Bac Nord, j'étais chaud et je me suis claqué le premier jour, mais là aussi, peut-être, c'est possible. Je me claque tout le temps, en fait. Et jour 2, enfin, je résume, c'est Eva qui vous a embroché la cuisse ? Pas le jour 2, le jour 1000. Non, mais en fait, c'était très long tout ça. On a eu 5 mois de préparation à l'escrime, au cheval et à l'apprentissage des chorégraphies. Et en fait, quand on nous voit nous battre dans La Rochelle, on a des cascadeurs en face de nous. Donc voilà, ça c'est des professionnels. Donc en fait, dès qu'on dérape un petit peu, si vous voulez, ils sont habitués à gérer les distances ou ça. Mais on a eu cette scène à travailler avec Eva, où c'est deux acteurs entre eux, donc on n'est pas des pros. Et en fait, quand on s'envoie des coups d'épée, c'est... On était dans la passion du moment. Ouais, exactement. Et c'est vrai que pendant une répétition, à un moment donné, mon jogging a été transpercé par l'épée d'Eva. Et on voit des images de dingue, là, derrière. C'est pas mal, hein. Eva, vous étiez à fond, très entraînée à l'escrime et au combat, et des cascadeurs et des experts. Et vous avez aimé ça ? Être une femme, pas virile, mais en tout cas prête à distribuer les pains, et qui regarde D'Artagnan combattre en lui disant « c'était pas mal, c'était un peu long sur la fin ». Je crois que c'est une de mes répliques préférées du film. Bon, ça, c'est Milady qui parle comme ça, c'est pas moi. C'est vrai que c'était... Bon, je pense que c'est ce que j'ai préféré dans cette aventure, c'est de tout ce travail en amont avec les cascadeurs. Parce que évidemment, je ne suis pas aussi forte que ça dans la vie, donc ça m'a aidée à trouver le centre de Milady, de travailler plusieurs semaines avec cette équipe formidable de Dominique Foissier, qui était très passionnée, très sympa aussi, parce que c'est important, qui m'a donné confiance, et c'était très ludique, et j'adore. Tout ce qui est physique comme ça,
Ça m'aide à me sortir de ma tête et puis c'est de se sentir presque aussi fort qu'un homme, c'est toujours agréable. Aurélie. C'est vrai qu'on découvre vos failles, enfin les faiblesses de Milady dans ce deuxième opus. J'ai cru à la liberté. Les hommes, depuis que je suis femme, leurs mains m'ont prise, souillée, trahie. Ma vie a été la leur. Ma mort sera la mienne. Ce que j'ai fait, ou que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Elle est forte cette tirade qu'on entend quand elle raconte qu'elle est une femme qui a été empêchée, souillée par les hommes et qui veut se venger. Est-ce qu'on peut dire que c'est une icône féministe aussi ou pas ? Oui, c'est une. Je dois dire que cette scène que mon personnage a avec le personnage de Constance Bonacieux, joué par Lina Koudry, m'a convaincue de faire partie de cette aventure parce que c'est une facette qu'on n'a jamais découverte, enfin qu'on n'a jamais exploitée en tout cas dans le personnage de Milady. Donc on découvre son secret et on comprend d'où ça vient, pourquoi elle a ce désir permanent de se venger. Et on a un peu d'empathie du coup pour elle. Ben, j'espère, voilà, j'espère. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que le public, voilà, c'est pas quelqu'un de 100% machiavélique. Elle est moins affreuse que dans le premier volet. Elle est très énigmatique dans le premier volet, et là, il y a un peu plus de chair, de fissures. Vincent, vous dites qu'Eva ne ressemble à aucune autre actrice. Oui, peut-être elle vous ressemble un peu à vous. Elle ressemble un peu à Vincent Cassel. J'espère lui ressembler, mais je ne dis jamais des choses comme ça devant elle. Ah. Je peux lui dire pour vous et puis après elle l'entend. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur vous ou pas ? Oui. Un ovni magnifique. Qu'il est pudique. Si j'étais une actrice, j'aimerais bien être Eva Green. Merci. Ah. J'adore cette phrase. C'est le plus beau compliment que j'ai d'accord. eu de ma vie. C'est pour ça que je l'ai dit. Je ne pensais pas pouvoir rougir un jour, Vincent. Tu rougis, là, vraiment ? Un petit peu. Non ? Ou c'est moi, là, qui vais rougir dans deux secondes ? Et vous pouvez développer pourquoi vous aimeriez... Non, en fait, c'est vrai que c'est une phrase un peu toute faite, mais ce que je vois chez Eva depuis que je l'observe de loin dans les films, etc., c'est qu'en fait, il y a un côté extrêmement instinctif. Et... c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de cinéma dans la loge ou en dehors, etc. Donc, c'est beaucoup sur le ton de la rigolade, etc. Et puis ensuite, entre action et coupé, il se passe des trucs, on ne sait jamais ce qui va se passer. Moi, je me sens un petit peu comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'instincts, beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup d'accidents. Et finalement, c'est un peu ce qu'on cherche. Vous savez, dans les scènes, si tout se déroule exactement comme c'est écrit, finalement, on se fait chier. Alors que quand... c'est vrai. En fait, nous, ce qu'on a envie de voir, d'ailleurs, ce que le public apprécie souvent, c'est quand tout d'un coup, les gens sont surpris par ce qui se passe. Et les gens sont surpris quand nous, on est surpris. Et donc, il faut que ce qui se passe pendant les séquences ne soit pas toujours prévisible. Et avec elle, c'est ce qui se passe souvent. On ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est très agréable. C'est un grand compliment parce que moi, je dirais plutôt que c'est lui qui est il est tellement instinctif. Il a quelque chose de formidablement animal. Et j'ai tendance un petit peu à être trop dans ma tête. Donc, quand je suis avec lui, il me provoque, mais dans un sens génial. Il y a un truc d'alchimie, quoi. Bref, voilà. On s'entend bien. Mais j'ai l'impression. On va pas commencer à faire des trucs, là. Et François, alors, Et alors, avec moi, voilà, c'est différent. C'est pas vrai. Moi, j'adore. C'est beau, ce qui vient de se passer, cette déclaration. Quelle actrice vous rêveriez d'être, François ? Eva Green, je suis obligé de le dire. Mais c'est vrai, hein. Franchement, pour le coup, dans ce deuxième volet, D'Artagnan et Milady ont une sorte de rapport d'ennemi intime, de proximité, attraction-répulsion. Et ça, à composer avec Eva et te regarder faire, ça a été une grande chance. Et puis, c'est vrai qu'il y a de l'animalité et de l'instinct, mais moi, dont le personnage préféré quand j'étais gamin, c'est-à-dire qu'il y a un bout de temps, c'était Athos. Je trouve que à la fois les scénaristes et Bourboulon et vous nous amenaient à rentrer beaucoup plus dans les personnages et leur complexité. Et le Athos torturé, qu'est-ce que ça a dû vous plaire de jouer ce personnage hanté par son passé, la mère de son fils, protéger son fils, c'est presque plus développé que chez Alexandre Dumas. C'est vachement bien. Mais c'est-à-dire que surtout dans le livre, il y a tellement de choses qui se passent qu'en fait, on ne peut pas tout suivre. Là, ils ont été obligés d'enlever des pans et des pans.
Et c'est marrant que j'ai regardé un petit peu des productions passées, et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas ce qu'on a essayé de faire, et je crois que ça l'est dans le film. Ah oui, vraiment. Quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup moins en représentation de ce qu'on a pu voir par le passé dans Les Mousquetaires, même ceux de Lester que j'adore, où c'est finalement un petit peu plus empoulé, un peu plus jovial, etc. Là, il y a un truc un peu dans le pathos des personnages, et je crois que c'est assez moderne, en fait. C'est vachement moderne, parce qu'on parle à la fois et de politique et de choses très personnelles pour chacun des personnages. De filiation. C'est vachement bien. Mmh. Et puis, il n'a pas peur de montrer ses émotions. Moi, je l'ai trouvé très, très en retenue, à fleur de peau, tout émotionnel. Enfin, on est en train de se jeter des fleurs, mais... Ah ben, vous pouvez, là. Mais pour pas laisser François de côté, votre personnage aussi. Non, pas du tout. Je me sens bien là. Je me sens pas du tout de côté. Hein, je suis non, d'accord. Non, je plaisante. Mais votre personnage aussi évolue. Il est moins chien fou là. Il a pris un peu de maturité. Il est moins chien fou. Disons que c'était en deux mouvements. On avait la présentation des personnages dans le premier où on trouvait le D'Artagnan. Je pense qu'on a tous cette image d'Épinal de ce personnage. Voilà, très fougueux, très. Très plein d'impulsivité. Et en fait, à la fin du premier film, il vit un drame. On finit, il est quand même évanoui sur le sol. L'amour de sa vie a été enlevé. Et donc, c'est une sorte de quête beaucoup plus tragique qu'il attend dans le 2. Et il va se découvrir sans doute des cicatrices desquelles il se remettra peut-être pas, quoi, à la manière d'un Athos. Je dis que vous avez mûri dans le deuxième épisode, vous n'avez pas eu le temps, parce que les deux films ont été tournés dans la foulée, en quelque sorte 150 jours d'affilée, tout le temps pour bien apprendre à vous connaître, cette phrase n'est pas française. Après, on vous a suivi, hein. Puis les gens ont l'habitude aujourd'hui. C'est vrai ? Vous êtes ouais, mais bizarrement, moi, je suis complètement dans l'air du temps. Et cette complicité qui, qui transparaît dans le sketch... Oh là là, je sais même plus ce que je dois dire. J'ai l'impression d'être Florence Foresti. Quel sketch. C'est monté après tout ça ou c'est vraiment direct? Non. On met des sous-titres. Le soir de la grande première des premiers volets, vous avez diffusé un sketch qui montrait bien à quel point vous étiez complice. Est-ce que ça, tout le monde a bien compris? Oui. Oui. Maintenant, on balance le sketch. Tu crois? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce que tu fais? Je répète un peu mon truc, là. Tu répètes ton? Mon discours. Comment ça, t'as un discours, toi? Ben oui, j'ai un discours. Arrête tes conneries. J'ai un discours. T'as pas de discours, toi? Comment ça, j'ai pas de discours? T'as un discours, toi? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? T'as rien préparé? Préparé de quoi? Oh. Hé, les gars, c'est quoi l'histoire du discours, là? Hé, hey, Romain, t'as un truc à dire, toi? Bah, évidemment. Tu dis quoi? Je sais pas. Pourquoi t'as pas de discours, toi? Non, mais t'es sérieux ou pas? Ah, c'est quoi qui veut dire? Oublie le discours, on y va. Évidemment qu'il a un discours. Non, je n'ai pas de discours. Allez, ciao Vincent. Ça commence à me prendre la tête, cette histoire. J'adore, on dirait un César, on dirait un peu César vexé, là. Non? Je sais pas. Dimitri Rassam a des grandes idées. Et il voulait absolument qu'on fasse cette espèce de promotion. Il voulait faire cette grande première, etc. Et donc, vous êtes arrivé à cheval. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout ce truc-là là, qui s'est passé, ça s'est fait sur le moment, tu te rappelles, François? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait pas vraiment, il y avait des trucs écrits, mais personne n'avait vraiment envie de dire ce qu'il y avait écrit. C'est Martin Bourboulon qui a réalisé ce absolument, ce aussi. Ouais. Ouais. Et en fait, ça s'est construit vraiment dans la demi-heure, en fait. Pratiquement de plan à plan. Et ça a donné ça, et c'est vrai que c'est assez sympa. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est très sympa. Mohamed, je te cherche. N'en déplaise, Vincent, Eva, François, aux pourfendeurs de la diversité qui ne manqueront pas de crier à la relecture woke du classique d'Alexandre Dumas. Il y a un mousquetaire à la peau noire dans ce film. On parlait de modernité il y a quelques secondes. C'est un certain Hannibal qui n'existe pas dans le livre. On pourrait penser à un hommage à Alexandre Dumas qui était ce qu'on appelle à l'époque un carteron. On dirait aujourd'hui un métis, mais ce personnage a vraiment existé. Donc on apprend des choses aussi dans le film. Hannibal est en réalité inspiré de Louis Agnaba, prince d'Assigny, pardon, premier et unique mousquetaire noir de l'histoire. Le fils d'un roi de Guinée amené en France avec son frère pour prouver la fidélité au roi Louis XIV. Il a vraiment été mousquetaire du roi Louis XIV. Eva, c'est important de dépasser l'œuvre originale pour s'adapter à la société moderne en incluant des personnages différents. Et d'ailleurs, il y aura même une série sur ce personnage. Bah vous m'en apprenez de bonnes. Je ne savais pas qu'ils allaient faire une série. Mais en tout cas, c'est quand des libertés intelligentes sont faites, absolument. Et là, c'est délicatement introduit. Et puis c'est intelligent, mais... Je ne sais pas quoi dire. C'est...
En tout cas, il est super dans le film. Oui, oui, oui. Non, non, mais il est très charismatique. Non, oui, oui. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, Vincent, vous suivez peut-être ce qui se passe aux États-Unis. Il y a la même polémique avec Denzel Washington qui va jouer Hannibal pour un autre personnage. Là, la modernité, elle est aussi apportée sur un ton historique. C'est la société tout entière qui est représentée dans ce film. Tout entière, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ce personnage que la plupart des gens ne connaissaient pas. Mmh. Mmh. Est-ce que l'homme on apprend des trucs. Ouais, c'est important. Vas-y. Est-ce que l'homme de l'année GQ 2023 a quelque chose à dire ce soir? Yes. A quelque chose à dire? Sur cette question et sur d'autres questions? Ah non, non, je vais rester en position d'homme de l'année. En retrait. Je vais rester en couverture. Est-ce qu'on peut voir la couverture de GQ? Vous l'aviez vu, cette couverture de GQ? Non, pas catastrophe, mais je veux dire. Attends, tu rigoles, super. Ouais. Alors, Vincent Cassel l'a acheté. Vraiment. Acheté, ouais. Tu l'as acheté? Je l'ai acheté, je l'ai mis chez moi. Je l'ai montré à mes filles. J'ai dit, voyez, c'est avec lui que je travaille. Très gêné. Sans autre commentaire. Non, mais de toute façon, mes filles aiment beaucoup François. Est-ce qu'on peut voir le costume boule à facettes dans les pages intérieures, juste pour le plaisir des yeux? Les boules à facettes sont aussi sur la couverture. Il y a un costume. Ah non, ça, c'est le making-of. C'est le making-of. Je crois qu'on le voit que sur la couverture. Ah là là. C'est le mouvement, là, demain. Voilà. Voilà. OK. Disco. Vous l'avez gardé, ce costume? Je ne l'ai pas gardé du tout, non. Non, mais je me suis un peu amusé avec ce qu'il y avait sur la penderie, là, sur le portant. Il voilà, y a toujours une DA, un machin, mais c'est vrai que c'est pas exactement moi, hein, je ne mets pas ça dans la vie. Non, mais on vous en parle beaucoup de cette couverture, de ce titre d'homme de l'année GQ 2023? Parce qu'on en parle beaucoup, non? J'avoue que là, c'est une des premières. Mais ce soir, oui, voilà. Si je pouvais être acteur sans être connu, ça serait merveilleux, vraiment, vous le pensez? J'ai dit ça, ouais. Je le pense vraiment, ouais. Enfin, je vis pas mal la notoriété. J'embrasse les bénéfices que ça peut. Les fans les uns par les autres, je les embrasse. C'est ma bouche. Non, les gens. Enfin voilà, tout ce que ça peut amener de bon. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que perdre son anonymat, surtout quand on fait ce métier, en fait, c'est un peu délicat. Là où moi, je sais que j'aime bien justement observer les gens sans être moi-même trop observé. Ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Faut voyager. Oui. Le Brésil. Retrouvez-moi sur les plages d'Ipanema. C'est la liberté. Le voyage, c'est la liberté. On est très heureux de vous recevoir ce soir parce qu'on a beaucoup aimé Les Trois Mousquetaires Milady en salle mercredi, donc après-demain. C'est signé Martin Bourboulon. On lui souhaite le même succès que le premier volet qui a cartonné. J'avais les chiffres, mais je ne les ai plus en tête. 3 millions. Et demi. Ouais. S'il vous plaît, soyez précis. Et vous pensez que vous pouvez au moins faire autant pour ce deuxième volet? En tout cas, c'est chaudement recommandé avec toujours Pio Marmaille et Romain Duris. Pio Marmaille qui était venu la dernière fois, mais vous n'étiez pas présent, Vincent. Donc on a échangé un mousquetaire pour un autre, on n'est pas malheureux. Ils sont tous aussi bien les uns que les autres. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pio Marmaille, mais il y a aussi Louis Garrel, il y a Vicky Krieps. Louis Garrel, formidable en Louis XIII, Vicky Krieps en Reine. Il y a un casting vraiment haut de volée. Éric Ruff, ouais. Cardinal de Richelieu. Ouais. C'est formidable et c'est en salle mercredi prochain. On vous garde parce qu'on a d'autres questions à vous poser jusqu'à 21h. Mais là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Pour parler télé et histoire de la télé, pile pour Noël vient de sortir l'intégrale de Columbo, que même Le Monde, le journal, qualifiait d'enquêteur de génie à l'époque. La série a duré 35 ans et Peter Falk est devenu un héros carrément de la pop culture. Officiellement, le premier épisode date de 71, Murder by the Book, et déjà, bien sûr, le crime a lieu dès les premières minutes. Filmé par qui? Un certain Steven Spielberg. Incroyable. I'm at the office. I'm pretty well into this last chapter. I'd like to work straight through. Yeah, I know. I know. This will be the last time that I can... Jimmy? Et voilà. Dès l'épisode 2 de la saison 1, un motard de la police arrête la voiture de Columbo, qui a l'air assez mal en point, la bagnole. Qu'est-ce que j'ai fait? Votre permis et votre carte grise. C'est le clignotant, hein? Celui de droite, oui. C'est la deuxième fois que je me fais arrêter aujourd'hui. Dites, je vous promets que je vais le faire arranger dès que j'aurai une seconde. Vous allez le faire tout de suite? Je voudrais bien, seulement je suis attendu au 187e secteur. Vous êtes de la police? Oui, je suis le lieutenant Columbo. Veuillez m'excuser, lieutenant, j'ignorais. Et on reconnaît dans la VF la voix de Serge Sauvion, qui a été la voix de Peter Falk pendant 35 ans. Cette voiture, c'est une Peugeot 403 Cabriolet. Le modèle n'a pas marché du tout. Peugeot n'en a vendu que 2000. Quand notre Roger Pierre National
grand humoriste avec Jean-Marc Thibault à l'époque, a fait un séjour à Los Angeles. Il a fait expédier aux États-Unis son cabriolet Peugeot. Et au studio Universal, il l'a échangé contre une Cadillac. Peter Falk, dans le parking, est tombé sur la 403 cabriolet. Il a dit « Je veux ce vieux tocard ». Regardez maintenant cette archive extra de Peter Falk comparant Columbo et Sherlock Holmes. Columbo, bah, c'est un peu Sherlock Holmes à l'envers. Il est intelligent comme Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, il a un long cou. Columbo, il n'en a pas du tout de cou. Sherlock Holmes a l'air d'un aristo, il a le front haut, on voit qu'il a de la matière grise, beaucoup. Columbo, lui, il n'a pas l'air du super cerveau. Hein. Il est petit, il n'a pas de cou, et pourtant, Holmes et lui, c'est la même chose. Il y en a un qui est élégant et l'autre a l'air d'un clochard. Mais ils sont tous les deux très malins. Enfin, une archive mythique dans l'épisode 7 de la saison 3. Le meurtrier que Columbo fait monter dans sa voiture, c'est la légende Johnny Cash. Et écoutez qui chante à la radio ce jour-là. Aren't you afraid being up here alone with a killer? No, sir. No, sir, I had the feeling that sooner or later. Praise the Lord, I saw the light. Sooner or later, you would have confessed even if I hadn't caught you. Yeah, you're right, Lieutenant, I would have. Because it was getting to me, and I'm glad it's over. Listen. Any man that can sing like that can't be all bad. Pas mal le commentaire de Columbo. Si vous êtes intéressé, maniez-vous, car ça sort en série limitée, ce coffret. Mais c'est un must. Voilà. Voilà, là, l'intégrale de Columbo. Je l'ai vu tous 3 ou 4 fois. En DVD. Perso. En DVD. En DVD. Vous avez des lecteurs encore, vous? Ah oui. Ah oui. Moi, non, ah oui, oui. J'en ai plus, mais on me dit que je suis un extraterrestre. On ne voyage pas, on a des lecteurs. Il y a des techs, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas pratique, les DVD. Ah, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Les DVD. Merci beaucoup, Pierre. Vous voulez bien passer à table? Vous avez faim? Ah, ouais. En plus, c'est vraiment fin. Et puis surtout, Gaëtan Roussel sera à la table de C'est à vous juste après les radoteurs Gilles Gaston Dreyfus et Stéphane de Groot. Bonjour. Calmez-vous. Je sens que vous êtes déjà complètement... Je suis ravi de vous voir. Oui, mais bon... Ravi d'entamer une discussion avec vous. N'oubliez pas le bonjour, toujours. Ah bah, j'ai dit bonjour. Non. J'ai dit bonjour Stéphane. Ah, j'ai pas entendu, vous étiez tellement connubale. Tellement heureux de vous voir. J'ai un chat. Hein? Pourquoi on dit avoir un chat? Parce qu'on en a un. Mais pas dans la gorge. Ah oui, dans la gorge, vous voulez dire. Je vous ai dit bonjour. Non, absolument bonjour, pas. Bonjour Gilles. Vous m'avez tout de suite envoyé des petites piques. Pas du tout. Je sais pas comme si, ne soyez pas comme ça. Je veille sur vous Gilles. Ouais. Parce que vous êtes un ami. Ouais. Ou j'ai un chat. Oui, vous avez un petit chat. Un élevage, j'ai l'impression. Un petit chaton. Oui, un chaton, oui. Voilà, j'ai l'impression d'avoir quand même un gros matou. Hein. C'est peut-être un petit chaton, c'est drôle, ça, matou. Ah oui, c'est peut-être de là. Hein. Matou. Oui. Ah, c'est drôle. Bah, alors, pourquoi on dit j'ai pas matou dans la gorge? Non, vous voyez dire j'ai un matou dans la gorge. Bah, dites-le un peu pour voir. Que j'ai un matou dans la gorge. Ah bon? On l'entend pas. Ben non. Non, non. Que vous le dites alors? Eh ben, parce que vous me piégez, vous me posez. C'est vraiment pas gentil ce que vous dites. Non, non, c'est pour ça que je me suis repris. Est-ce qu'il y a des films qui, pour vous, évoquent l'amitié? Bien sûr. Lesquels, par exemple? Ou un autre? Oui. Comment il s'appelait ce film formidable? Ou alors, qu'est-ce que. Alors, si vous aimez les pommes? Les pommes? Oui, ça sera plus simple. Pourquoi... Le cœur des hommes, c'est un film sur l'amitié. Le cœur des hommes, c'est quoi? Le cœur des hommes, pas le corps des hommes. Ça, c'est, c'est vous qui voyez. Hein. Oui, c'est un film sur l'amitié. Je vous dis, oui. C'est un film sur l'amitié. Oui. Les 3 mousquetaires. Et les 3 mousquetaires aussi, voilà. Également. Et pourquoi dit-on les 3 mousquetaires? Parce que alors qu'il y en a 4. Parce que pourquoi la semaine des 4 jeudis, alors qu'il n'y en a qu'un? Oui. Vous auriez aimé jouer, vous, dans un film de KPDP? Bien entendu. Quoi, vous me hurlez dessus tout d'un coup, j'ai l'impression que vous êtes sur votre cheval. Il y a un problème électrique, non? Vous avez un tableau électrique dans votre... Mais vous avez déjà fait du cheval, non? Là, c'est un vieux canasson qui n'avance pas. Là, vous êtes en train de le faire avancer. Mais c'est ce qui tient le plus dur. Hein. Et je me dis, vous avez telle énergie que ce soir, vous serez cuit. En fait, vous partez comme ça. Dans une heure, vous allez... Monsieur Gaston Dreyfus. Ça permet à tout le monde de se reposer.
Eva, François, Vincent, bienvenue à la table de C'est à vous autour des Saint-Jacques de Normandie, servis dans leurs coquilles en épais carpaccio, ah ouais, avec des radis multicolores et des agrumes de province, préparés par Nicolas Bottero, le chef du restaurant Le Mât Bottero, à Saint-Cana, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Un commentaire, Patrick ? Non, c'est à côté d'Aix-en-Provence. Très bon. Merci pour cette information indispensable. Et avec nous ce soir, le leader fondateur du groupe Louise Attack, qui mène une carrière solo, certes, mais pas solitaire. La preuve, son dernier album éclectique dans lequel il propose 16 duos, certains inédits avec Soprano, Mathieu Chédid, Louane, d'autres avec des artistes qu'il a déjà croisés jusque-là dans sa carrière. On a fait notre amour sans condition, on souffle notre amour sans illusion. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais, j'ai tellement de gens qui hésitent et qui doutent. Et si c'était pas la bord de cette route, on voit encore des gens là-haut sur la montagne, malgré les orages et la tramontane. Qui est-ce? Peut-être une étoile filante, un bout de tissu, une tente. C'est peut-être une villa sur les pentes, un bout de toi, une attente. Salut Gaëtan Roussel. Bonsoir. Ravi de parler avec vous d'Éclectique, ce nouvel album de duo disponible depuis le 24 novembre dernier. Mm-hmm. À vos côtés, l'artiste Benjamin qui figure sur cet album. Non, vous n'êtes pas là. Adeline Loveau, bienvenue chère Adeline. Merci beaucoup, bonsoir. C'était logique en fait cet album, parce que vous avez démarré avec un groupe. Ouais. Continuer avec des duos, c'était logique. C'était logique parce que j'aime le collectif. C'était logique parce que sur cet album, vous le rappeliez, il y a à peu près la moitié que finalement j'ai construit en une dizaine d'années depuis que je travaille en solo, et une autre moitié où j'ai été toqué à la porte de gens que j'avais envie de revoir. Oui, enfin à travers le téléphone, en appelant. Mais ça sert à ça aussi les duos. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou qu'on n'a pas vu dans des conditions de studio, comme Mathieu Chédid, M, que je connais bien à la ville, à la scène. Et puis des gens qu'on a envie de rencontrer. Mathieu Chédid qui faisait les premières parties de la première tournée de Louise Attack. Exactement, déjà seul en scène et déjà beaucoup de talent. Oui, oui, tout à fait. Vous avez pris votre téléphone et appelé Soprano, par exemple. Soprano, oui. Je l'avais croisé une fois sur un plateau télé, je ne le connaissais pas. Et puis, ce disque, il est fait pour aller dans des endroits que je ne connais pas bien. Soprano, il creuse son sillon, qui n'est pas forcément le même que le mien. Par contre, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de couloir de nage. Ce qui est intéressant, c'est de se mélanger et puis d'essayer de tirer un peu de chacun. Moi, je l'appelais éclectique. Je pense que l'éclectisme, c'est deux systèmes. Là, c'est un système de sons, de mots qui se rencontrent et qui en crée un troisième. Mais on ne prend pas l'ensemble des deux systèmes qui se rencontrent, on en prend un petit peu. Donc, il y a un peu de compromis. En même temps, il faut jouer des épaules. Je viens d'un groupe, je connais bien ça. Donc c'est tout ça qui m'intéresse, tout ça. Et comment vous avez contacté Adeline alors ? Adeline, on partage la même maison de disques. Et sur le titre qui s'appelle « Crois-moi », que j'ai composé avec Renaud Rubio, je cherchais une voix féminine. Et donc j'ai été écouté tout bêtement avec la vie d'aujourd'hui, un ordinateur et un site internet. J'ai trouvé toutes les chanteuses qui avaient... et voilà, et je suis tombé amoureux de ça. Voilà, du label. Et voilà, et donc j'ai demandé si c'était possible d'appeler Adeline. Puis ça me plaisait d'avoir quelqu'un, on appelle ça des newcomers, quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Il y a un doyen, un marathonien comme Alain Souchon, mais je trouve ça super qu'il y ait des gens qu'on connaît moins ou qu'on connaît peu. Moi, ça m'intéresse, ça, comme démarche. Pour vous présenter en quelques mots, Adeline, vous êtes, on peut le dire, la protégée de Louane. Vous assurez ses premières parties en tournée. Oui, j'ai fait 4 de ses premières parties. Elle m'avait appelée déjà en 2018 pour me proposer justement de faire ses premières parties quand elle retournera en tournée. Et bien sûr, j'ai accepté. Et elle me suit depuis. Ce soir, c'est Crois-moi que vous allez nous interpréter tous les deux, avec accompagné de Paul Pavillon à la guitare et Adeline Loveau au chant. C'est quand vous voulez. Alors. Pour Crois-moi, voilà. Paul Pavillon vient d'arriver. Crois-moi, qui est donc l'un des duos extraits de cet album éclectique que j'ai en version CD. J'adore. Pour Vincent Cassel. Puisqu'il n'y a pas non plus de lecteur CD, Vincent, à la maison. Hein ? Lecteur CD. Lecteur vinyle ? Oui. Non plus. C'est fashion. Moi, je m'amuse, je danse et je conteste parfois. Je ris, je rêve et je mens.
Sur la lune, sur une île, on ira. Sur la terre où tu voudras. Sur la mer au bout d'un détroit. Voir la lumière qui change. L'horizon qui se mélange. Les océans qui s'échangent. Vivre sur de rien, mon ange. Ah, je m'arrange. Je dérange. Je mélange. Crois-moi, tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existent pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi, tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existent pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Je crie, je parle et je m'emmène parfois. Moi, je suis, je sauve et je m'emmerde parfois. Sur un coup de tête, je m'en vais. Sur un regard, je le sais. Sur un volcan, je fondrai. Sur les traces d'hier, je renais. J'aime la vie qui change, le vent et ses louanges. J'aime quand c'est étrange, quand oh. Je m'arrange. Je dérange. Je mélange. Crois-moi, tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi, crois-moi quand je m'arrange. Crois-moi quand je dérange. Crois-moi quand je mélange. Crois-moi. Crois-moi quand je m'arrange. Crois-moi quand je dérange. Crois-moi quand je mélange. Crois-moi, tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Merci Gaëtan Roussel, Adeline Lovo, merci Paul. Merci à la Paul. Guitare, Paul Pavillon, donc extrait d'Eclectique, ce nouvel album que je voilà. tiens à votre disposition pour ceux qui sont munis de lecteurs de vinyle et de CD. Voilà, avec des duos contemporains, des duos possibles. Si on, quand on vous a demandé, Gaëtan, récemment dans une interview, un duo impossible auquel vous auriez pu rêver, vous avez visité Brel, vous avez dit j'aurais bien fait un duo avec Brel. Oui, on n'a pas fait en plus. Donc lui, on n'a jamais fait, je crois, à ma connaissance. Il aurait sans doute pas voulu. Donc c'est vraiment un duo. Mais c'était une bonne tentative. C'est vraiment un duo impossible. Ouais. Mais en contrepartie, si je puis dire, d'une certaine façon, vous avez pris la direction musicale d'une journée avec Brel, qui est une émission qui va passer, qui sera diffusée bientôt sur France 3, et donc on va voir un petit aperçu. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Mais je t'aperçois, mais c'est je ça t'aperçois. Une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans. Oui, ça s'entend. Une valse à mi-temps. Une valse à mi-temps. Super, allez, belle soirée. Une valse à mi-temps. Plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps. C'est pas vraiment ça qu'il dit. Paris, tout le monde. Voilà, chanson La valse à mille temps qu'on a très envie de chanter, mais. Qui n'est pas facile. Qui est pas facile. Non, exactement. Mais qui est même très difficile. Ce sera le 27 décembre à 21h10 sur France 3 avec une vingtaine d'artistes. Oui. Et France Brel, la fille de Jacques, qui vous a accueilli à Bruxelles. Tout à fait. C'était très plaisant d'aller se promener. Il y a une fondation, Jacques Brel, et puis on est allé flâner un petit peu. Elle m'a raconté quelques petites histoires et puis elle essaye de faire vivre tout ce qu'elle a dans sa possession de Jacques Brel. C'est touchant, je trouve. C'était touchant. Est-ce qu'il y a du Brel
naturel dans certaines de vos chansons, dans certaines de Louise Attaque ? Moi, j'en sais rien, c'est pas à moi de répondre. Non, mais dans l'inspiration, dans le. Je crois que tout le monde, que ce soit, et puis peu importe le genre musical d'ailleurs, Brel, c'était peut-être le premier slammer d'ailleurs, ou le premier rocker, j'en sais rien. Donc j'espère, j'ai envie de dire j'espère, ne serait-ce que dans une certaine générosité. Brel, il jouait sa vie à chaque seconde. C'était un imprudent, il aimait cette idée-là d'ailleurs, à l'imprudence. Il disait tenter, échouer quand même, ou échouer même, ça sera votre réussite, il disait. Je trouve ça touchant. Donc s'il y a un peu de ça, même si c'est tout petit, je prends. Bien sûr. Pierre. Vous avez fait plusieurs BO pour le cinéma. Oui. Vous avez fait la musique de Louise Michel, de Mammouth, de Camille Redouble, de Noémie Lvovsky, oui, et aussi de Roxane. Et puis là maintenant, vous vous lancez un nouveau défi, puisque vous jouez la comédie dans le prochain film de votre ami Daniel Auteuil. On est allé sur le tournage. Sur un croisé. Et action. Si elle arrête pas de picoler, tu sais quoi, tu lui fous la glace au cul, la crois-moi, tu seras bien tranquille. Gaëtan sur scène, je sais que, voilà, on le connaît, et on sait que, c'est pareil, on le met devant une caméra, ça sera la même bête. Pas trop réfléchir, de savourer, mais pas trop savourer, de réfléchir un peu aussi. Voilà, faut faire un peu des deux. C'était à charge de revanche, parce que là, vous êtes rassuré, puisqu'il y a votre ami avec vous sur le plateau, puis lui, il était rassuré de vous avoir sur scène. C'est vrai. Vous faisiez monter, chanter ses chansons ou les vôtres. Oui, tout à fait. Ça n'empêche pas l'exigence, bien évidemment, j'espère en tout cas. Mais ça, disons que c'est une porte d'entrée qui est un petit peu plus souple, un petit peu plus douce. Voilà, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Donc c'était, même si j'ai pu faire des clips ici et là, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes totalement différents. Donc, et en plus de Daniel Auteuil, il y a un autre acteur que j'aime beaucoup et qui est aussi un ami qui joue dans ce film, qui s'appelle Grégory Gadebois. Donc voilà, l'entrée était bras ouverts, ce qui m'a touché. Mm. Ça vous donne envie de continuer ? Oui, j'ai adoré. Je ne sais pas ce que ça donnera de l'autre côté. Bah dans le troisième volet des Mousquetaires, t'as besoin d'un acteur. Avec plaisir. Bah voilà, voilà. Non, mais oui, j'ai aimé, c'est tellement différent. C'est un monde tellement différent. C'est gentil. Okay. Sans casting, sans essai. Non, mais là, je ne sais pas, votre voix m'apaise. Vos mots, je vous écoute depuis tout à l'heure, j'ai eu un plaisir. Depuis la chanson, tout ça, de vous entendre parler et tout, c'est une voix formidable. Donc voilà. Venez jouer avec nous dans Mousquetaires 3, s'il y en a un, c'est pas moi qui décide, mais en tout cas, je vous engage. Non, mais à chaque fois que François est là, il se passe des trucs avec les musiciens et qui sont nos invités. La dernière fois, c'est John Baptiste, le génial musicien, et il a essayé de nous faire chanter à la table de C'est à vous. C'était pas évident, on regarde. Non. Vous avez fait danser notre président de la République, John. Ah, mais vous continuez à danser. Oh, when the saints, oh, when the saints go marching in, go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, yes, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. Est-ce qu'on ferait pas une soirée après? Honnêtement, faut pas qu'on reste là-dessus. François, faut pas qu'on se quitte comme ça. Et finalement, on s'est quitté comme ça, hein, François. Oui, c'est vrai. On avait dit qu'on se retrouvait et en fait, ça m'a épuisé, je crois, ce dîner. Mais vous êtes musicien, François. Je fais un peu de musique, mais chanteur, guitariste. Oh là, non. D'un groupe qui s'appelle Collective Kingdom. Waouh, vous êtes allé sur des vieux skyblogs, je pense, des années 2018, c'est pas non plus le bout du monde. C'est vrai. Non, j'essaye de faire un peu de musique, mais pour l'instant, rien de très concluant que j'ai envie de partager. Donc pour l'instant, ça reste chez moi. Pourtant, on avait aimé, nous, votre impro avec Olysses. Mais c'est ma fête, là. Je t'en prie. Ouais. Oh, bien sûr, je ne voyais pas venir. Tortue, colis. Moi, j'invente, je rajoute. Torticolis. Torticolo, torticolu, tortico. Tortico, la la la. C'est quoi cette grosse enfume? Excusez-moi. L'enfume, c'est le. L'enfume. L'enfume du toboggan. Toboggan. C'est l'enfume du toboggan. Toboggan. La grosse enfume du toboggan. Toboggan. La grosse enfume du toboggan. Toboggan. Allez, tous ensemble. L'enfume du toboggan. Toboggan.
Ça vous assurez grave. J'ai l'impression que j'ai écouté Brel quand il dit soyez imprudent, essayez, échouez. C'est un exemple. Il t'a risqué d'accident. J'ai chaud là, je pense que je suis de revoir ça. J'avais oublié complètement ça. Bah, c'est vraiment bon en plus. Ouais, vois, il y a de la voix, il y a du tempo, il y a ouais, du rhythm. Hein. Ouais. Ça swing, hein. Après ça reste deux accords. Hein. Ça reste deux accords, il faut les tenir. La sœur de Vincent. Ouais. Mais bien sûr, la sœur de Vincent. Ulysses. Ouais. On avait reconnu. Oh. À votre tour, Vincent, on sait que vous avez le sens de la musique. On va vous voir faire des percus et danser à Rio. Il est bon. On peut dire que c'est une histoire de famille, la musique chez vous. On va voir votre fille qui, l'année dernière, pour ses 18 ans, avait chanté. Vous aviez partagé cette vidéo. Et c'est très beau, on dit qu'elle sait tout faire, elle est mannequin, elle chante très bien, elle est aussi actrice, on va la voir bientôt sur nos écrans. Enfin, vous êtes fière d'elle, elle qui est aussi une fille d'eux, comme vous avez été un fils d'eux, elle fait son chemin. Elle a l'air. C'est plus que ça même. oui, elle sait tout faire, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Elle s'appelle Deva. Deva, et comment vous l'accompagnez? Vous lui donnez des conseils ou pas? Ah mais non, en fait, tu sais, les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Ils vous regardent faire et après, ils font ce qu'ils veulent. Ce que je peux lui dire, en fait, je crois qu'elle s'en fout un peu. Ce qu'elle sait faire, là, par exemple, le côté brésilien, je pense qu'elle a dû écouter beaucoup de musique brésilienne à la maison. Et du coup, elle s'est mise à composer des trucs en portugais. Et effectivement, je trouve que ça sonne. Ouais, ça sonne très bien. Vous êtes ému ou je rêve? Ah, mais moi, quand je regarde mes enfants, je suis toujours ému. Il n'y a rien qui m'émeut plus que mes enfants. Et un coup, c'est pas pareil. Comment te cacher? Non, mais c'est super, je suis content que vous montriez ça, c'est bien, c'est joli. Là, ce que t'as fait, c'était bien aussi. Hein. Je vous jure, je ferai mieux. Non, je vais me rattraper. On a une chance absolue. Vincent, vous nous partagez des paysages magnifiques du Brésil, de la musique aussi et la très belle voix de votre fille. Eva, vous, sur Instagram, vous partagez d'autres choses. Je chante. Non, douche. Non, mais on a d'autres découvertes sur votre réseau social, sur votre Instagram. Ouais. Vous faites des vidéos avec vos chiens. Et oui, ça... je suis réalisatrice pour chiens. Ouais, alors, Winston et Nora, Schnauzer, ça se dit comme ça, oui. Noirs qui sont de vrais acteurs nés. Et là, il y a vraiment de la réalisation. Franchement, il peut s'inquiéter, Martin Broublon. Mon Dieu. On rappelle pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs que les chiens vont bien. Juste après ces vidéos, c'est important de le dire. Non, mais Eva, il y a une super phrase que vous avez postée sur vos réseaux. Mes réseaux ne me servent qu'à partager des œuvres que j'aime, à parler de projets ou à déguiser mes chiens en homard. Et puis ce métier est suffisamment narcissique pour en rajouter. C'est un beau résumé de ce que vous partagez sur vos réseaux avec vos chiens. Bah oui, je partage pas des choses trop personnelles parce que ce serait un petit peu... C'est pas, je sais pas, il faut rester un petit peu mystérieux. Et puis, mes chiens, bah, ça m'amuse. Ce sont mes acteurs. Je suis grande réalisatrice. Mais ça vous prend un temps fou, je les déguise. Ça m'amuse. Hein. Je crois que Winston... Winston est plus un acteur que Nora, parce qu'il est plus dans le truc. Il est genre, je souffre, je dis, fais-moi ça. Vas-y, Joël, je sais que dans trois minutes, ça va passer. Mais il a cette côté noble, comme ça, où il sait... ça ne fait rire que moi, c'est spécial. Non, mais, ils savent que ça m'amuse, donc ils ne souffrent pas, non. On rappelle le nom de ces Winston acteurs. Winston et Nora, que vous ne quittez jamais, et qui sont d'ailleurs dans les loges. Ils sont dans les loges. Ils vont venir maintenant, d'ailleurs. Ils sont là, ils sont présents. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation à dîner ce soir. Est-ce que c'était bon, les noix de Saint-Jacques? Délicieux. Mais là, c'est l'entrée, il n'y a pas le plat qui arrive ou quoi? On va se faire livrer. Ah bon, d'accord. Ouais. Bon, je rappelle que Eclectic est disponible depuis le 24 novembre, et je suis heureuse de vous les offrir...
chère Eva. Oui. Ah oui, bah, merci beaucoup. Vous êtes de tout le matériel. Vous avez une voix hypnotique. C'est gentil, merci. Quelque chose de magnifique, vraiment. Merci. Bravo, chère Adeline. Merci à tous les deux. Depuis lundi, Bertrand Chamerois n'est pas là, puisqu'il enregistre une émission qui sera diffusée début janvier sur France 2, qui s'appelle Bertrand n'a pas sommeil, depuis lundi dernier. Donc, on offre une carte blanche à des artistes. Ce soir, c'est l'humoriste Morgane Cadignan qui est notre invité. Bonsoir, chère Morgane. Bonsoir, ça va tout le monde? Vous qu'on écoute de temps en temps sur France Inter, dans un mercredi sur deux dans la bande originale de Nagui. Exactement. Alors, pardon, je finis juste un petit texto parce que j'ai très, très l'occasion, rarement l'occasion de caler dans un groupe WhatsApp que je suis en train de bouffer avec François Civil, Vincent Cassel et Eva Green. C'est mes potes, ils sont cons, ils comprennent pas que je suis dans votre bande maintenant. Ils continuent à me proposer des trucs. Escape Game, bah plus jamais. Il est fou. Enchantée, je m'appelle Morgane Cadignan et quand j'étais au collège, pour m'embêter, les autres, ils m'appelaient D'Artagnan. Voilà, l'insulte est pas dingue, en vrai. C'est juste parce que ça rime. J'étais même pas au collège Alexandre Dumas, donc c'est nul. Mais c'est vrai que les enfants, à part quand c'est pour tomber tête la première sur un coin de table en verre le soir du réveillon, ça manque de précision, c'est terrible. Moi, c'est la première fois que je suis ici parce que j'ai jamais été invitée à dîner dans C'est à vous pour faire ma promotion, pour deux raisons assez simples, telles que je n'ai absolument pas de promotion à faire, ou encore je suis très peu connue. Après, chacun s'arrange avec ses petites excuses. Mais pour réparer mon ego, Anne-Elisabeth, je vous ai préparé. Vous pouvez me faire un petit lancement comme d'habitude. Okay. Voilà, vous plissez les yeux pour marquer l'intérêt et tout. Voilà, je me permets, pardon. Bonsoir Morgane Cadignan, comédienne césarisée, quatrième mousquetaire, humoriste montante, autrice pressentie pour décrocher le prix Goncourt et Géry Dior, et chef de file du parti Stop Pantacourt, la France qui se respecte. Comment ça a commencé tout ça? Bah écoutez, moi ça a commencé assez simplement en 1984 quand j'ai fondé Canal+ avec Pierre Rouzelet. Mais je suis avant tout un homme de radio et de télévision français. Après il y a eu les années Festival de Cannes. Oui, alors pardon, ma biographie moi elle est pas dingue du tout. Donc j'ai emprunté la vôtre, Pierre Lescure, ça prête, vous va? Je prête. Ça, on peut échanger nos vies, ça vous dérange pas? Ouais, ça vous enlève quelques années. La vôtre va bientôt finir. Non. Bah, vous ça vous enlève quelques années. Par contre en termes de carrière, faut tout recommencer. Et dépêchez-vous maintenant que vous êtes une femme, hein, ça va être plus long. Et moins bien payé. En plus, vous avez des cheveux, donc il y a tout un petit entretien. J'ai préparé une photo de nous deux, si on échange. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'hélas, on fera pas d'enfant. Mon ego étant réparé, merci. Je voulais vous parler d'un sujet qu'on entend peu à la télé parce que le contexte est tendu, mais je prends le risque de la subversion. Noël. Nous sommes déjà le 11 décembre et j'ai décidé de vous préparer une liste de cadeaux parce que c'est Noël, c'est le moment d'être en famille et de se retrouver. On n'est absolument pas obligé d'en faire une fête commerciale. Mais très honnêtement, si un peu, franchement, ne partez vraiment pas du principe que votre présence va suffire. Les vœux au pied du sapin, ça suffit pas. Moi, tous les ans, je fais le même vœu. Et tous les 25 au matin, je me réveille. Et je suis toujours pas Eva Green, donc c'est de la merde. Si vous n'avez pas d'idées cadeaux, je vous ai préparé quelques pistes. Cette année, personnellement, en plus des vrais cadeaux, j'ai opté pour offrir à mes proches des bons. Pas pour un câlin ou pour un massage, vous savez, comme quand tu veux très fort coucher avec quelqu'un et que tu sais pas comment amener le truc. Ah, mais t'es super tendu. Attends, à mon avis, c'est ton soutif, là. Ça sollicite tes trapèzes. Vire-moi ça, tu te flingues la santé. Mais sur le même principe, j'offre des bons cadeaux avec des qualités que je n'ai pas. À mon oncle, un bon pour 15 minutes de patience. Oui, tonton, il y a sûrement des femmes qui accusent des hommes pour de l'argent, évidemment. Et il y a toujours eu un réchauffement climatique, c'est cyclique. Mais non, tu ressembles pas à Jean-Michel Blanquer, t'es hyper bel homme. Quoi, c'est pas tes cheveux? Ah bah, j'aurais jamais dit que c'était du faux gazon, t'es fou. Les bons, ça va dans le sens de la décroissance, mais aussi de la paix familiale. À mon cousin, j'offre deux belles et pleines minutes d'intérêt. Comment, Jérôme, vous avez acheté avec la loi Pinel? Oh, ah non, vas-y, mais ça me fascine, moi, de toutes les lois Pinel à fond, quoi. Mais attends, pas trop vite, remonte-moi les photos du stratifié, je vais être sûre de jamais oublier. Et ton enfant, hein, fait caca? Mais non. 17 ans, hein, on les voit pas grandir. Et enfin, à ma mère, comme moi, vous pouvez offrir 5 bonnes minutes de mensonges à table. Oh la vache, oh c'est bon. Maman, genre, tu vois, le jus de raisin mélangé au potiron, j'étais pas sûre, mais avec la pointe d'acidité apportée par la Suze, écoute, c'est brûlant et glacé en même temps, c'est hyper bon. Elle m'a payé des cours de théâtre, autant que ça serve. Noël, tout le monde en parle aussi dans la presse. Dans Elle, on apprend que larguer quelqu'un avant les fêtes pour ne pas avoir à offrir de cadeaux, ça s'appelle le scrooging. Quelqu'un s'est fait scrooger ici? Non, je pense pas, très peu de scroogage ici. Pour rester dans l'esprit de Noël, moi j'ai préparé un calendrier de l'Avent du scrooging pour patienter avant la grande rupture du 25 au matin, avec dans les petites cases les papiers du divorce pliés en mille. Chaque jour, une petite case à découvrir avec ce que je te reproche. 1er décembre, ton égoïsme. 10 décembre, tes tentatives incessantes de démarrer un molki l'été alors qu'on est bien. 22 décembre, ta manière de me toucher les seins, comme si tu n'arrivais pas à régler la température de mon bar dans un baignoire d'hôtel. Bref, un peu tard pour le calendrier de l'Avent, mais vous pouvez mélanger scrooging et
ghosting en offrant à l'être aimé le plus beau des cadeaux, sa liberté. Grâce à elle, toujours, on apprend quel est le cadeau parfait de Noël pour les vierges. Sans surprise, c'était une bite. Et comme légalement, j'ai interdiction dans mon contrat de terminer sur la blague précédente, on se quitte avec Biba qui nous donne la liste des cadeaux à ne surtout pas offrir. Et heureusement qu'il y a un guide, parce que franchement, on ne s'en serait pas douté du tout. Dans Biba, ils nous disent « n'offrez pas un mouchoir ». Et je pense parler au nom de tous en disant « Quoi ? Mais c'est fou, quoi !» Je m'en serais pas douti. Ceci dit, je me sens con, j'avais préparé des cadeaux de Noël pour tout le monde. Donc, tant pis, je vous les offre quand même. Joyeux Noël. Merci. Morgane Cadignan, ce soir, bravo, et vous trouve un applaudissement dans la bande originale de Nagui. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alexandre Dumas. Les Trois Mousquetaires, Milady, ça sort mercredi au cinéma. Et c'est signé Alexandre Dumas. Donc ça marche. Tout de suite sur France 5, le documentaire Bigger Than Us sur la jeunesse qui lutte pour le climat. On se quitte sur le duo entre Adeline et Gaëtan. Si vous voulez bien tous vous tourner vers la caméra pour saluer nos téléspectateurs. C'est quoi le doc? Bigger Than Us. Ah oui, d'accord. À demain en 19h. À demain à 19h sur France 5. Ciao, bye.